Coucou les moms, donc je vous ai préparé une petite capsule beauté aujourd'hui pour vous parler des injections que j'ai eues. Ça fait deux rendez-vous que je vais à la clinique Isogone, puis en tout et partout, on a fait mon front, la glabelle, les pattes doigts, j'ai fait les lèvres, puis les plis nasaux. Pour cette vidéo-ci, on va seulement parler du haut de mon visage et de mes injections pour mes lèvres. Par contre, je vous ai vraiment mis toute la section où je discute avec l'infirmière, puis je lui pose énormément de questions parce qu'il y a énormément de traitements qui m'intéressent. Donc, pour les cernes, j'avais justement les plis nasaux que j'ai fini par faire. Bref, beaucoup, beaucoup de traitements. J'ai voulu comme le remettre dans mes mots, mais elle l'explique tellement bien que j'ai juste filmé ma petite consultation avec elle. Puis, dans le fond, je voulais vous faire voir en fait comment ça fonctionne pour un rendez-vous pour des injections. Là, bien entendu, je vous parle de mon rendez-vous à la clinique Isogone. Peut-être que c'est différent dans certaines cliniques, je ne sais pas. C'est vraiment juste avec elle que j'ai fait affaire du début à la fin. J'avais contacté beaucoup d'autres cliniques. C'est pas la première fois que j'ai un intérêt pour ça, mais c'est avec eux que j'ai closé le deal là, finalement, donc que je suis avec elle et je ne le regrette pas du tout. C'est vraiment, ce sont des petites perles, c'est une très belle clinique. Ils vous font sentir vraiment comme si vous étiez entouré de vos amis. Ils ont de super bons conseils. Si vous voulez un look naturel mais qui va juste faire un rehaussement de votre beauté naturelle, c'est la place où aller. Donc pour commencer, je vous amène dans ma première rencontre avec l'infirmière, puis ensuite à mes injections avec le médecin. La façon que ça fonctionnait, j'avais le choix en fait parce que moi je voulais d'abord voir justement tout ce qui m'intéressait, donc d'avoir une évaluation, une consultation selon les besoins de mon visage, les besoins des traitements là, que je voulais faire sur mon corps. Dans ce cas-ci, si tu voulais juste une consultation sans faire le rendez-vous, donc sans faire d'injection, c'est possible. Tu peux rencontrer simplement une infirmière. Ça a des frais reliés à ça, c'est une quarantaine de dollars. Là, je vous parle des frais, on est présentement en janvier 2022. Donc, c'est 40 dollars pour rencontrer l'infirmière. Autrement, tu peux aussi aller directement à ton rendez-vous et rencontrer le médecin. Moi, ce que j'ai préféré, parce que je savais que j'allais faire quelque chose. Donc, je ne savais pas quoi exactement, par quoi j'allais commencer, mais je savais que j'allais poser une action. Donc, tant qu'à mettre un 40$ dans le beurre, j'ai payé le 100$ pour rencontrer le médecin qui m'offre aussi, en fait, dans le 100$, ma prescription qui est bonne pour 2 ans. Donc, en rencontrant le médecin, j'ai ma prescription versus si j'avais simplement vu l'infirmière, j'aurais pas eu de prescription. Donc, j'aurais rencontré l'infirmière avec des frais. Ensuite, si, en fait, quand tu commences à y prendre goût, évidemment, tu finis par le faire. Donc, si j'avais fini par le faire, il aurait fallu que je repaie pour rencontrer le médecin, qu'elle me fasse une prescription. Donc, moi, j'ai sauté l'étape de juste voir l'infirmière. Puis, je suis allée directement dans l'idée de rencontrer un médecin et d'avoir une prescription. Donc, le médecin que j'ai rencontré, c'est Dr. Vézina, qui est à la clinique Isogone, qui se retrouve à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis, avant ça, j'ai vu une infirmière. Donc là, je vous montre vraiment toute mon petit questionnaire que j'ai eu avec l'infirmière, toutes les questions que je lui ai posées, toutes les bonnes et fiables et merveilleuses informations. Mon Dieu, qu'elle a été patiente avec moi parce que j'avais beaucoup de questions que je lui ai posées. Donc, elle m'a vraiment bien informée sur tous les traitements qui m'intéressaient. J'ai même posé des questions qui peuvent plus vous concerner parce que personnellement, j'ai pas vraiment de vergeture après ma grossesse. Par contre, je sais que j'ai plusieurs mamans qui me suivent qui ont des vergetures et qui vivent mal avec ça. Si tu vis bien avec ça, je dis rien contre ça non plus, là. Ben, vous êtes belle, peu importe ce que vous choisissez de faire, évidemment. Mais pour celles que ça dérange et qui aimeraient faire un traitement pour ça, il y a des traitements qui existent. C'est le Fractora, mais je vais laisser, en fait, mon entrevue avec l'infirmière tout vous expliquer mieux que moi tout ce qui en est. Donc, pour cette vidéo-ci, il est question vraiment du haut de mon visage et de mes lèvres, puis de tous les traitements desquels elle m'a parlé. Dans une autre vidéo que vous allez voir en fait mardi prochain, dans cette vidéo-ci, je vais vraiment dans mon deuxième rendez-vous. Donc, on avait un rendez-vous de suivi ensemble, mais au rendez-vous de suivi, j'ai également fait mes plis nasaux.
J'ai une primeur à vous annoncer également à la fin du prochain vidéo. Donc, mardi prochain, j'ai une grande primeur à vous annoncer. Je vais avoir une troisième vidéo à vous présenter avec la clinique Isogogne. Donc, j'espère que c'est du contenu qui vous intéresse. J'espère que je vais pouvoir répondre à plusieurs questions que vous avez. Et surtout, j'espère pouvoir vous diriger vers la clinique Isogogne parce que honnêtement, ce sont les meilleurs à mon sens. Puis, j'ai tellement de respect pour ce qu'elles font. Puis vraiment, là, je vais pouvoir aussi vous parler des produits qu'elles m'ont conseillé, ça a changé l'aspect de ma peau. C'est fou, ma peau est tellement en santé depuis que j'utilise ces produits-là. Je vais aussi vous faire une vidéo parce que là, sinon mon vidéo va s'éterniser. Je vais vraiment vous faire une vidéo complète sur les produits que j'utilise et les avant-après de ma peau. Vous allez voir, c'est fou. Donc, sans plus attendre, ça fait quand même un bon 6 minutes de blabla que je vous fais. On va plonger dans la vidéo ensemble pour mon rendez-vous à la clinique Isogogne. Je venais pour les lèvres, mais là, j'ai vu récemment vos stories sur le PRP. Oui. Tu peux-tu? Oui. Puis là, ben là, moi, c'est mes cernes parce que avant, je dormais bien, je mangeais bien, j'avais pas de problème. Mais là, c'est mes cernes aussi. Fait que là, je me dis, en tant qu'être là, je vais regarder. Puis là, ben, j'ai des grosses, ça va se replacer dans un an, là, j'imagine. Mais depuis ma grossesse, j'ai des grosses chutes d'hormones. Donc, j'ai des petits boutons qui m'apparaissent, que j'avais plus, ça faisait très longtemps. Oui. Mais là, je prévois aussi un an de grossesse. Fait que là, je me dis, là, je pense que la prescription était bonne pour 12 ans. Exactement. Okay. C'est ça, la consultation avec Dr. Vision, dans le fond, l'ordonnance juste pour avoir des injections. Elle est bonne pour 2 ans. Okay. C'est sûr qu'on va essayer de faire le plus de traitements avant que tu retombes enceinte, parce que c'est une chose que tu ne peux pas faire enceinte. Non, c'est vrai. Même certains produits ici, parce que nous, tous les produits qu'on vend, c'est des produits de grade médical. Ouais. Donc, il y a des produits que tu ne peux pas utiliser. OK. Mais il y a quand même... d'attendre ma dernière grossesse où je pourrais... Pas du tout. Non, c'est vraiment pas, mettons, comme le laser, par exemple, qu'on le fait, puis on retombe enceinte, le poil repousse. Vraiment pas pareil. Du tout. Non, ah, ben, pas parfait. Du tout. Parfait. Fait que... Ça fait partie de mes questions. OK. Ouais, bon, non, il n'y a pas de choses par rapport à ça. OK. Donc, pour ce qui est au niveau des cernes, nous, on offre 2 solutions. Donc, il y en a une qui va venir traiter le creux en dessous des yeux, puis une qui va vraiment venir traiter la couleur. Je pense que c'est plus la couleur qui me fatigue. Parfait. Fait que la couleur, ça, c'est vraiment le PRP. OK. Encore une fois, le PRP, c'est quelque chose de super naturel. D'ailleurs, il y a beaucoup d'influenceuses, disons, qui sont très bio et très nature. Elles vont opter vraiment pour le PRP, même niveau facial, exactement. Okay. Comment ça fonctionne? C'est vraiment une prise de sang au début du rendez-vous. On vient mettre dans la centrifugeuse. Donc, ça vient isoler les plaquettes de ton propre sang. Okay. Puis, en même moins d'une heure, ça part de ton sang, puis c'est réinjecté dans ton visage. Wow. Fait que les plaquettes, en fait, là, cette méthode-là de PRP qu'on appelle, là, c'est même utilisé. En fait, ils commencent à faire ça en médecine pour aider à traiter des blessures au dos, aux genoux, parce qu'en fait, ça marche super bien. Les plaquettes, c'est ce qui vient faire la réparation, la cicatrisation. Donc, ce qu'on vient réinjecter là, au niveau des cernes, ça va venir en fait corriger fait, le manque de mélanine que tu as au niveau des cernes. C'est ça. Ça pourrait-tu être juste pour des vergetures? Non, je vais aller faire autre chose, là, mais... Vergetures, non, c'est pas ce qu'on va conseiller pour les vergetures. C'est pas la même chose en termes de blessures. De blessures, oui. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on va conseiller pour les vergetures, c'est plus du fracturat. OK. Donc, fracturat, ça va être des micro-lésions qu'on va venir faire au niveau du derme de la peau pour stimuler ta peau à venir se réparer. Exactement. Mais il faut que tes vergetures soient encore roses. J'en ai pas. C'est juste pour. Okay. Bon. J'ai des petites rides au-dessus du nombril, là, mais ça, je pense pas qu'il y a rien à faire pour ça. Oui, ça serait effectivement le fracturat. Aussi? Oui, exactement. Ah, ben, okay. Oui, d'ailleurs, moi aussi, je pensais même faire. Ça fait pas longtemps que j'avais couché aussi. Fait que, félicitations. Merci, félicitations à toi. Fait que oui, effectivement, là, c'est la peau du ventre, elle devient vraiment, ça a tellement grossi, assez élasticité, puis tout, là, qu'elle devient souvent molle. Ça fait comme des petites rides, des petits plis au niveau du nombril. Ouais. Fait que, fracturat, là, ce que ça va venir faire, c'est vraiment le venir raffermir la peau. Énormément, on a des super beaux avant-après de la compagnie, on aimerait ça en avoir de nous. Fait que, écoute. Ouais, mais elle me prend en photo au naturel des fois, comme on est allé au chalet, puis
Puis je sais pas d'où ça me sort mes pattes doigts sur ces photos. Puis je suis ici, là! Oui. Mais je me dis, tu sais, ça, c'est pas ma raison d'exister aujourd'hui, c'est pas pressant. Mais je me dis. T'es informée de ce côté-là, aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi, ouais. Parfait. J'ai plein de questions, puis plein de. Mais tu sais, ça, c'est plus entre vos mains. Je me dis, j'en ai-tu vraiment besoin tout de suite, ou c'est peut-être plus quelque chose que je pourrais corriger plus tard? Puis c'est surtout. Comme ça, là, je fais beaucoup de vidéos, puis je veux. Oui. Je sais que des fois, ça peut minimiser le muscle, puis tout ça, là, comment que, bon. Mais je veux pas avoir des difficultés à parler parce que, tu sais, ici, je sais pas trop, là, puis c'est pas si pire que ça, là. C'est juste sur ces photos, je me dis, mon Dieu, on dirait vraiment que j'ai 45 ans. Je suis vraiment pas belle, là. Vraiment pas de pire, je te rappelle tout de suite. Merci. Fait que pour ce qui est vraiment au niveau des pattes doigts, ouais. On va venir injecter, là, c'est la même chose que ce qu'on vient injecter au niveau du front, au niveau de la glabelle, c'est-à-dire que c'est du botox. Donc, okay. C'est une toxine qu'on vient injecter dans le muscle qui cause une paralysie temporaire. Okay. Ça t'empêche pas de bouger, ça t'empêche pas de bouger tes sourcils, d'avoir des expressions faciales, okay. Vraiment. Puis, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher ton muscle de contracter, ça va donc laisser le temps à ta peau de régénérer par elle-même les cellules. Okay. Donc, ça va prévenir, ça va venir diminuer les ridules en ce moment, puis ça va prévenir aussi que tes rides s'approfondissent dans le futur. OK. Donc, ça, c'est ce qu'on va vraiment utiliser pour le haut du visage. Pour ce qui est des plus nasogéniens ici, vraiment sur le côté, c'est l'acide hyaluronique qu'on vient de faire. OK. Donc, ça n'empêche pas de parler, ça n'empêche pas la contraction. C'est vraiment, on va venir remplir, en fait, le creux. OK. Pour diminuer l'apparence. OK. Fait que c'est la même chose qu'on injecte dans les lèvres, en fait. Ah, oh, c'est ça. OK. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal ça, ce qu'on fait là habituellement pour ces ongles-là. OK. Là, j'ai plein de besoins dans la tête. Je vais commencer par t'appliquer la crème anesthésiante. Aujourd'hui, j'imagine que c'était au moins les lèvres que tu voulais faire. Ouais, ça va être les lèvres. Parfait. Fait que je vais t'expliquer un peu les risques et procédures, comment ça va fonctionner. Fait que ce que je t'applique, c'est la crème anesthésiante 5%. C'est pas toxique, c'est juste vraiment pas bon. Fait que si jamais t'en manges puis tu sens que ça goûte bizarre, là, t'es pas en train de t'intoxiquer. C'est vraiment normal. Donc, l'acide hyaluronique, comme je te disais, c'est une molécule qui est déjà présente naturellement dans ton corps. C'est une molécule qui attire et qui retient. Fait que c'est pour ça que ça te donne du volume. Il y a toujours des risques à des injections. Donc, premier risque, c'est l'injection. On fait bien attention, pas de maquillage sur les zones où on a injecté pour les prochaines 24 heures. Si jamais tu as touché ton visage, toujours bien propre. Ensuite, il va y avoir un peu de rougeur, un peu d'enflure, c'est normal. Des bleus, ça peut arriver aussi. Dans les prochains jours, ça va partir. Dans des cas extrêmes, il peut y avoir ce qu'on appelle une occlusion vasculaire. C'est-à-dire, c'est le produit qui vient appuyer sur les vaisseaux sanguins, empêchant le sang de se rendre dans les tissus. Ce que ça va causer, c'est une nécrose, c'est-à-dire la mort du tissu. Si jamais ça arrive, tu vas sentir une vive douleur, fait que tu vas t'en rendre compte. Le tissu va commencer à tourner vers le blanc, ensuite vers le bleu et finalement vers le noir. On ne veut pas que ça se rende jusque-là, donc tu nous appelles dès que tu sens qu'il y a une douleur qui est anormale. Et comme je te dis, c'est extrêmement rare. Il faut quand même qu'on avise les patients que c'est une possibilité. Est-ce que tu avais des questions? Parfait. Tu peux ouvrir la bouche, c'est juste que ça ne sera pas bon. She wanna know me, I stay low-key, all gas, no brakes, baby, let them hoes sleep. Body on 10, make your girl OD. I get in my way, never out of my lane. Feel like you the one and I'm on one. So what is gonna be? Donc, je viens de sortir du rendez-vous. J'ai quand même une bonne fonction de mon visage, mais mes lèvres sont vraiment gercées, puis bon, je réagis à pas grand-chose, honnêtement. Fait que je commence déjà, j'ai un bleu ici, j'ai des bleus, je suis pas en pointe comme ça. J'ai des bleus un peu sur les lèvres aussi. Là, je vais aller à l'intérieur, chez moi, je vais me laver les mains comme il faut, puis je vais mettre le petit gel, en fait, j'en mets depuis tantôt, là, mes lèvres ont soif, mais tu sais, à la base, j'ai les lèvres sèches, puis là, j'ai rien mis dessus de la journée, justement, parce que je ne peux pas, sauf ça. Donc, c'est le petit gel que la clinique m'a donné. C'est un petit gel
il me semble qu'ils m'ont dit que c'était vegan et tout, là, fait que vraiment très, très pur et bon. Donc, je vais aller me badigeonner de ça parce que clairement, mes élèves en ont besoin. Puis, au niveau ici, je suis encore capable de tout faire. Sauf que déjà, on voit que, en tout cas, je vois déjà que c'est moins pire, mais là, le Botox, ce sera pas avant quelques jours que je vais voir les résultats. Je vous dirais que mes lèvres ont beaucoup enflé depuis que je suis partie. Donc là, faut que j'évite aussi de mettre ma langue sur mes lèvres. Je peux pas aspirer. Il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Mais sinon, honnêtement, c'est quand même plus volumineux que c'était, mais c'est quand même naturel. À part que là, j'ai l'air d'avoir les lèvres vraiment maganées. Ça va bien. Ça va bien à date. Fait que jour 1, quelques heures après le traitement, ça va bien. Je vais vous faire un petit update à tous les jours pour les prochains jours. Jour 3. Donc ici, c'est encore un peu... j'appelle ça bec de canard, mais c'est pas tout à fait ça. Je sens que c'est encore engourdi ici. J'ai encore mes petits bleus ici, celui-là ici, sur le bord de l'œil. Mais ça s'en vient quand même bien. Puis, c'est bizarre à dire, mais je sens le produit travailler. Donc, j'ai hâte. Plus les jours passent, je me lève le matin puis j'ai juste hâte de voir les changements que ça a fait puis comment je me sens durant la journée. Mais voilà. Donc, mes lèvres... je mets le petit produit qu'ils m'ont donné, puis vraiment, je vois une belle différence, mais ils sont encore très secs. Puis là, j'avais des rendez-vous, donc là, ça fait une heure et demie que j'en ai pas mis du produit dessus, donc je m'en vais en mettre. Puis aujourd'hui, on fait les décorations de Noël. Puis quand je suis seule et que je ne parle pas, je sens que, on dirait que par après, quand je me remets à parler... je le sens dans ma bouche, versus si j'ai passé la soirée à parler à Tristan, ben là, c'est beaucoup mieux. On dirait que je suis plus à l'aise aussi. Donc, c'est ça. Donc, à demain pour un petit update de mes lèvres et de mon haut du visage. Donc, jour 4 avec mon nouveau visage. Donc, ici, les lèvres, ça va vraiment bien. Là, je commence le front aussi. Puis mes petites pattes doigts. Honnêtement, je suis vraiment, vraiment satisfaite. Genre, ce gloss-là, je le mettais jamais parce que je trouvais que ça allait vraiment pas bien avec mes anciennes lèvres, si on veut. Là, je l'ai mis, puis j'adore. Genre, je capote. Je trouve ça super beau. Puis, j'ai essayé aussi leur fond de teint qu'ils m'avaient suggéré, en fait, à la clinique. Donc, je l'ai pris. Et puis là, je l'ai essayé. Je l'adore aussi. Honnêtement, on dirait comme une crème que j'ai mis là, sur ma peau. Fait que j'ai vraiment pas l'impression que ça l'obstrue mes pores du tout. Je me sens super comme libre du visage, si on veut. Puis là, en transition, à l'automne, là, j'ai tout le temps un peu de difficultés. Là, je suis tout le temps embêtée parce que je suis entre mon fond de teint d'automne puis mon fond de teint d'hiver. Mais là, ça, en fait, ça se marie super bien à ma... ben, en fait, ça prend mon teint de peau. Puis honnêtement, je suis vraiment, vraiment satisfaite. J'ai pas l'air d'avoir la face d'une autre couleur que le reste de mon corps. Fait que je capote. Non seulement je suis vraiment satisfaite de des traitements que j'ai eus au niveau ici, puis de mes lèvres. Là, prochainement, je m'en vais faire ici les plis nasaux parce que c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. Surtout sur les photos et là sur mes vidéos. Donc, comme je me filme, je le vois souvent. Fait que j'ai vraiment très, très hâte. Puis de voir ça, en fait, là, je suis vraiment très, très, très contente ce matin. Aujourd'hui, je sens que je vais... je sais pas, on dirait que ça va me faire passer une super belle journée, puis que ça me redonne confiance en moi parce que en tant que maman, notre corps change, OK? Fait que là, ça, c'est un petit treat que je me suis fait, puis je ne suis vraiment pas déçue. Fait que je vais continuer de commenter, en fait, l'évolution de mes lèvres, puis dans 2 semaines, je devrais aller faire mes plis nasaux. Donc, restez à l'affût! J'espère que cette vidéo-ci vous a plu. Si oui, laissez-le moi savoir dans les commentaires. C'est tellement important pour moi de savoir ce que vous pensez. Puis, si vous avez des questions, donc vous savez que je revois la clinique Sogogne. Si vous avez des questions que vous aimeriez que je pose, en fait, durant mon rendez-vous, laissez-le moi savoir dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de poser les questions pour vous à l'infirmière que je vais rencontrer.
Autrement, laissez-moi un petit thumbs up, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas activer la petite notification pour voir le prochain vidéo qui s'en vient mardi prochain. Merci beaucoup et merci d'avoir fait partie de mon univers beauté.